Oui, ben on fait ce qu'on peut, on n'a pas les moyens, on fait un faux ralenti, hein. C'est comme ça dans Sastram chez vous. Bon, Marie Sosso, il faudra apprendre à faire un ralenti. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans Sastram chez vous. Aujourd'hui, nous sommes sous un soleil radieux à Saint-Égrève et nous allons parler de la pose des rails. D'ailleurs, justement, on attend une livraison. Allez, c'est parti! Petit récapitulatif sur la pose des rails et des traverses installées tous les Marie Sosso 75 cm. Les puristes ont trouvé évidemment. Donc des traverses en acier et en béton prémoulées. Dans ces traverses prémoulées, tiges filetées pour bloquer le rail et petits tampons en caoutchouc pour l'amortissement et les vibrations du passage du tramway. Seulement 25 rails, oui c'est un petit peu obligé parce qu'avec 18 mètres de long et 900 kg, eh ben, ça nous fait 22 tonnes 500 et puis 18 mètres on est obligé de rouler en convoi exceptionnel. Et c'est de la rail espagnole. Et aujourd'hui, livraison du modèle rail vignole. Nous vous avions présenté les différents types de rails. Cette forme de champignon, eh bien, c'est le rail vignole. Sur les 11 500 km de la ligne E, au total, sur les 4 rangées pour les deux voies de le tramway, sera posé 2555 rails vignole de ce type. Voilà. Et bien, ça nous fait 2300 tonnes d'acier. Hein, ça commence à faire du poids, Marie Sosso. Et ce rail vignole, pour lui donner cette forme, il n'est pas forgé, il n'est pas coulé dans un moule qui va lui donner cette forme, il est profilé. Il arrive dans un boudin brut, incandescent, rouge, et il va être poussé sur un chemin avec des presses, des roues qui vont lui guider et lui donner cette forme de profilé. Et c'est reparti pour la pose de rail. Et c'est Tony, notre pelleteur à pince virtuose, qui s'y colle. C'est la fin de Sastram chez vous. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt. Moi, je vais rester là parce que c'est très sympa à regarder. Moi, je reste là, Marie Sosso. Hein.